Bon vendredi, on est le 27 novembre et il est 1h30. Je prends ma caméra un petit peu tard, même si ça fait un bout de temps que la journée a commencé. Les enfants terminent leur dîner. En fait, ils ont pas mal fini. Christophe, il mange ses petites gaufrettes pour terminer. Puis là, ben, dans une demi-heure, il y a son atelier de sciences. T'as-tu besoin de quelque chose de spécial aujourd'hui? Carnet maison et tes crayons. Fait que... C'est ça. Puis là, ben, comme Christophe a perdu son ordi encore hier soir, parce qu'il a trop niaisé, ben, je vais l'installer à mon ordinateur pour qu'il fasse son zoom. Justement, je dois aller chercher ma webcam qui est actuellement sur son écran. Non, même pas. Ah, ben là. Je pensais que... Ah, ben là. OK. Fait que je l'ai... La webcam, vous voyez rien dans le fond, c'est sombre. Fait que je vais faire un petit clean-up sur mon bureau d'ordi. Puis, parce que regardez ça. Hop. Encore? Je suis bordélique un petit peu. Je suis pas bordélique partout dans la maison, mais mon bureau d'ordi, par contre, il est toujours en bordel. C'est un petit peu comme ton bunker, tu mets toutes tes affaires dedans. C'est comme mon bunker, je mets toutes mes affaires dedans. Puis là, je vais faire un petit clean-up pour que ce soit propre pour lui. Puis, c'est ça, ça commence dans une demi-heure, fait qu'on va l'installer. Sinon, on n'a pas fait d'école ce matin, mais comme le vendredi, vous savez, on prend ça pas mal plus relax, fait qu'il va avoir son atelier, puis ça va être la dictée après, puis ça devrait être tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai mes petites tâches ménagères à faire, comme toujours. Puis, quoi, Christophe? Il est où le... Ben, je sais pas, cherche. Okay. Totoche s'est découvert un petit plaisir depuis hier, là. Elle est tombée sur un bout de cure-pipe et elle capote. Il est là dans le passage. Elle capote bien raide, elle arrête pas de jouer avec, puis tout, elle s'amuse comme une petite folle. On va m'asseoir ici, je pense. Fait que c'est ça. Je vous tenais mal. J'ai pas vlogué hier, ni avant-hier. Je me souviens pas c'est quel jour que j'ai vlogué en dernier. Mais en tout cas, je sais que les deux derniers jours, je n'ai pas vlogué. Ça a été des journées très normales et régulières avec l'école maison, avec les tâches ménagères et tout ça. Hier, on n'avait pas trop envie de faire à souper. Mon chum avait envie de manger de la pizza. Fait qu'il a collé de la pizza du restaurant, mais moi, évidemment, de la pizza du resto, je peux pas en manger. Fait que là, il était comme, ouais, là, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas manger quoi? Puis tout, je dis, ah, ça me dérange pas. Manger de la pizza, vous autres, moi, m'organiser, ça me dérange pas. Au moins, j'ai pas besoin de faire de souper. Fait que j'ai fini par me faire des sandwichs aux tomates plus tard dans la soirée, tu sais. Du coup, c'était pas gastronomique, ben, mais tout le monde était bien content de manger de la pizza. Puis moi, j'étais contente de pas avoir à me casser la tête pour le souper. Puis, c'est ça, là, ces derniers jours, je craft pas mal. J'ai repogné comme une petite piqûre, là, depuis que j'ai fait la pocket letter pour Jenny Rock. J'ai fait la pocket letter pour Grumpy Cat. Ben là, on dirait que ça m'a redonné envie. Fait que là, ben, je craft pas mal à tous les soirs dernièrement. D'ailleurs... J'ai montré en story Instagram qu'est-ce que j'avais fait avant hier. Mais vous l'avez pas vu sur YouTube, fait que je vais vous le montrer. Je pense que je vais virer ma caméra de bord, ça va aller mieux. Tadam! Dans le fond, c'est une poche de jeans qui était après un pantalon à Christophe qui ne lui faisait plus. Puis en plus, il était troué. Fait que ça me faisait pas trop mal au cœur de découper la poche. Fait que je l'ai juste découpé, j'ai mis du gesso par-dessus, des deux côtés. Là, ici, il y en a un peu plus, ça, je dirais. J'en ai mis plus épais, mais j'en ai mis de ce côté-là aussi. Puis là, ben, j'ai mis une petite trim de dentelle en haut. Ici, j'ai fait une fleur avec des petits doilies. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, lui est mini, mini, mini. Puis j'ai mis un petit bouton de métal comme ça.
Fait que 5 doilies pour créer cette fleur-là. Puis, tu sais, elle dépasse un peu de la poche comme ça. Il y a du mouvement. Fait que, en tout cas, je trouvais ça mignon. Ensuite de ça, j'ai ajouté des petites pièces métalliques. Fait que le petit papillon ici en métal. Puis la petite fleur ici en métal. Puis là, ben, j'ai pour faire le centre de la fleur, c'est juste une petite perle dans les teintes de brun que j'ai rajouté là. Puis ici, pour faire les petites antennes du papillon, ben c'est de la corde de chanvre que j'ai collé là. Avec quelques petites fleurs brunes de papier, puis des petites perles brunes ici et là qui poquent autour des fleurs. Fait que c'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. J'avais vu des gens faire ça sur YouTube, puis ça m'a tenté de tenter le coup. Fait que voilà. Puis là, ben sinon, hier, j'ai débuté un projet de plus grande envergure, je dirais. J'aurais pas fini tout de suite, mais je vous montrerai peut-être en cours de route ou une fois fini. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une première pour moi. Je vous en dis pas plus. Mais c'est ça, je suis bien excitée. J'ai bien gros de fun à faire tout ça. Maman! Fait, oui! Oui, ben viens le montrer, toi. Viens nous le présenter. Mimi, hier, elle m'a surprise. Agréablement surprise. Ma petite cocotte, elle m'a fait, à moi, un cahier. Puis c'était son idée. Elle l'a fait elle-même sans aide. Pour vrai, c'est tout ce qu'elle a fait, c'est ça vient d'elle, là. Fait que, en tout cas, j'étais pas mal contente de son petit travail. Je vous montre ça. Allô, la belle Mimi! Allô! Fait que présente-nous ton cahier. C'est quoi que t'as pris pour tout coller les feuilles, Mimi? De la colle. De la colle, puis quoi d'autre à l'extérieur? Des autocollants. Montre-nous-les, les autocollants. Elle a commencé par faire la couverture du cahier, puis tout sur la colonne vertébrale, c'est parce que j'ai juste le mot spine en anglais, là. Mais en tout cas, toute la reliure, elle l'a faite avec des petits collants en cœur comme ça, c'est cute, c'est bien pensé. Puis après ça, les feuilles à l'intérieur, elle les a collées avec la colle, tout simplement. Puis là, elle m'a écrit des petites lettres, des petits dessins. Elle m'a même fait des lignes. Puis elle a pris une règle, puis elle a tracé les lignes pour que je puisse écrire des choses dedans. T'es bonne, Mimi! À la fin! Ouais! C'est magnifique! Bien pensé, ma choupinette! Fait que c'est ça, hein? En tout cas, tu sais, des fois, on pense que les enfants sont pas capables de faire telle ou telle chose, puis tout, puis après ça, ils nous surprennent avec des idées qu'ils ont. Tu sais, j'y ai pas montré à faire ça ou quoi que ce soit, puis elle s'est dit « Ah! J'ai des trucs, j'ai des affaires, je peux coller des feuilles, mettre des autocollants, puis je vais faire un cahier pour ma mère. » Fait que, en tout cas, c'était vraiment mignon. Non, maman, oui? J'ai décidé que j'allais faire un cahier pour toi. Oui, ben oui. Fait que là, ben c'est ça, il est rendu... Je pense que j'ai positionné, en tout cas, je sais pas si vous avez vu ça. 1h40. Fait que je vais vous quitter pour l'instant, puis je vais installer mon fils pour son atelier de sciences, puis on s'en reparle tout à l'heure. Il est rendu 4h46. L'école vient de finir, ça fait pas longtemps, parce qu'on a comme pris une petite pause pendant l'après-midi, après l'atelier de Christophe. Dans le fond, je suis allée prendre ma douche et tout ça. Fait qu'on a fait comme sa révision de dictée et sa dictée après tout ça. Fait qu'on vient de finir, ça fait pas long. Peut-être une dizaine de minutes. Je vais pas parler beaucoup cet après-midi, j'ai l'impression. Excusez-moi, pardon. Là, je vous ai déposé sur ma tour d'ordi parce que je dois remplir ma vapoteuse de liquide. Mon chum finit de travailler dans quelques instants. Oh mon Dieu! Dans quelques instants, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger pour souper, mais il reste encore de la pizza d'hier. Fait qu'il y a quelqu'un qui doit manger ça. Moi! Coupé! Toi, coupé? Tu veux de la pizza coupée? OK. Bon. En minuscule morceau. En minuscule morceau. Bon, on fera ça. Je pense que cette bouteille-là est vide. OK. Ouais, fait que j'ai décidé d'aller prendre ma douche, c'est fait, je me sens fraîche.
Ça fait du bien. Mon lave-vaisselle est faite aussi. Fait que je suis bien contente. Sinon, on n'a pas ramassé les jouets. Mais aussi, le lave-vaisselle est en cours. Non, il n'est pas en cours, il est fini. Non, il est en cours. Il n'est pas en cours. Bon. Mais là, on n'a pas ramassé les jouets, rien encore. Tu vois que ça me tente plus. J'ai juste envie de m'effoirer. Maman, regarde. Wow! Il vient jouer un petit jeu sur son téléphone. Voilà. Elle vous l'a montré. Bon, ça, je pense que c'est bon. Ouais, ça me tente plus. Ça me tente plus de faire des tâches. Tu sais, tous les jours de la semaine, c'est le temps, away, la routine, pis tout. Mais là, le vendredi, j'ai le droit de relâcher un peu, là. De relâcher. Ils disent n'importe quoi. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, fait que je suis allée dans la douche parce que ce soir, après le souper, quand les enfants vont être couchés, ben je veux tout de suite m'embarquer dans mon crafting. Puis là, si j'avais besoin de prendre ma douche puis tout, j'aurais fait comme Fait que là, ben, c'est ça, au moins c'est fait. Fait que quand les enfants vont être couchés, je vais être libre, complètement libre de faire ce que je veux. Quoique. T'auras plus besoin de t'occuper de deux animaux. C'est ça, deux animaux, ouais. Mais là, mes cheveux sont dus pour être lavés, puis je les ai pas faites, là, parce que je voulais pas passer 3 heures dans la douche en laissant les enfants dans le salon, tu sais. Mais, en tout cas, en fin de semaine, je vais faire ça. Puis il y a mes sourcils aussi qu'il faudrait que je nettoie un petit peu, là. Ils sont dus. Ça, mes sourcils, je vais peut-être le faire tantôt. Mes cheveux, on verra. Si l'envie me pogne, j'irai les laver avec la pomme de douche tantôt. Sinon, ce sera un moment donné en fin de semaine. Fait que là, ben, question d'être vraiment, vraiment claire pendant la soirée. Je pense que je vais aller faire mon article tout de suite. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous reparler tantôt. Allô! Bon samedi! Il est rendu fucking tard, puis on va dîner. Ce n'est pas des farces. Ce n'est pas des farces. Papa est en train de préparer une belle assiette de légumes pour mettre dans des sandwichs au poulet. Va-tu être bon, Mimi? Oui. Oui. Christophe? T'as-tu faim? Ouais. Toi, papa, t'as-tu faim? Ouais. Allô! Alors, on est le 28 novembre. Puis comme vous avez vu, il est 3h-20. Puis c'est ça, on a fait un petit peu de ménage ce matin, mais c'est pas terminé, là. Ça a surtout été du ramassage de jouets. Christophe, mon chum a fait la tournée des poubelles recyclage, puis Christophe les a sortis. Il y a eu 1$ supplémentaire pour ça parce qu'il a fait comme half the job. Puis, c'est ça. Sinon, Christophe a aussi frotté les taches sur les murs avec un effaceur magique, là. Puis aussi sur le frigo. Puis sur le frigo, puis sur le meuble blanc d'école, juste là, là. Là, voyons là. Parce que Mimi, elle avait fait des traces de crayon dessus. Ben non, c'est pas elle. OK, c'est pas Mimi. À part de ça, moi, j'ai réparé une boîte. Je vais vous déposer. Juste là, si je suis capable. Ouais. Moi, j'ai réparé une boîte de casse-tête à Mimi. C'est une genre de boîte en bois. Avec des séparations, là, puis elle met plusieurs casse-têtes là-dedans, mais tous les séparateurs étaient sortis. Même le contour de la boîte commençait à décoller, puis tout, fait que j'ai tout collé ça à colle chaude, puis j'ai sécurisé le contour avec du tape de déménagement, fait qu'on va souhaiter que ça tienne. Les plans aujourd'hui, ça va être de m'épiler les sourcils, man. Avez-vous vu ça? En tout cas, je sais pas si ça paraît avec la lumière, là. Mais j'ai de l'air du Grinch, d'un grizzly. C'est assez fou, là. Mais tu sais, comme vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis. J'étais en restructuration, puis je les laisse pousser un peu parce que j'essaie de les reshaper, puis tout. Mais là, je les laisse pousser un moment donné, ça va faire, là. Il y a du nettoyage à faire pareil.
Fait que je veux faire ça. Je veux aussi laver ma crinière qui est due. Tu sais, des gros plats du samedi, là. Puis là, j'ai... ma fille apprend des fois du linge propre, même des fois du linge sale dans son panier à linge, en tout cas pour faire genre des doudous pour ses toutous pis ses poupées quand elle joue. Fait que là, j'ai dit là, ça va faire là. Premièrement, de prendre du linge propre, ben là, ça le salit parce qu'il traîne partout à terre, tu fais n'importe quoi avec pis tout. Pis du linge sale, ben il est sale là, tu joues pas avec, tu sais. Fait que là, j'y ai dit, je pourrais peut-être t'en fabriquer une couverture exprès pour tes doudous, tes toutous. Et tes jouets et tes poupées quand elle joue genre au médecin ou au vétérinaire pis tout. Parce que moi là-bas, là, là c'est sûr qu'il y a la grosse lumière, mais j'ai une belle pile de linge là. Pis c'est du linge troué ou qui fait plus ou que je dois réparer pis tout. Pis il y en a que c'est pas réparable là-dedans pour vrai, fait que je vais comme... Tu sais, style comme faire une courte pointe peut-être ou... Peut-être pas nécessairement aussi beau, mais tu sais, prendre des bouts de tissu que je vais coudre ensemble à la main parce que je n'ai pas de machine à coudre. Puis, c'est ça, dans le but de lui faire une couverture, tu sais, ça sera pas une couverte comme pour aller sur un lit, ça va être une couverture de toutou. Fait que je vais faire ça avec des bouts de tissu qui serviront pas et qui vont être jetés de toute façon. Fait que je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui comme tel, on dirait que ça me tente. Fait que je vais peut-être bien débuter ça. Après avoir mangé, parce que moi non plus, je n'ai pas mangé. Puis, ben, c'est pas mal ça pour l'instant. Hier soir, j'ai encore fait du crafting. Mon beau gros projet d'envergure, ça avance bien. J'ai hâte de pouvoir vous montrer ça, mais à mon avis, ça va me prendre encore plusieurs heures à travailler là-dessus. Fait que voilà. Voilà, voilà. Fait que, ben, je vous dis à tout à l'heure. Hello, hello! Il est rendu. Quoi? C'est un bord trop ici. Je sais pas ce qu'elle voulait dire là, mais elle a clairement attendu que je pèse sur le piton et que je commence à parler avant de parler. C'était très timé. Il est rendu 5h38. Mon chum est présentement parti faire des commissions depuis un petit bout de temps déjà. Il devrait revenir bientôt. Il allait faire l'épicerie. Il allait au Tigre Géant pour trouver quelques petits trucs que je vais vous montrer tantôt. Puis, ben c'est ça. C'est pas mal ça. Il va dans un autre magasin aussi. Ouais, ben il va comme au Super C, puis au IGA, puis au Tigre Géant. Fait que c'est ça. Sinon, tantôt, Steve va passer maman, toute la balayeuse partout. Quoi, maman, Mimi? C'est pas 4, c'est 3. C'est ça, j'ai dit. Alors, Steve va passer toute la balayeuse partout tantôt, ça fait du bien, sauf que le plancher devrait être lavé, là, je pense qu'on n'aura pas le choix, on va le faire ce soir. Là, on est comme pas pressé de souper parce qu'on a dîné tard, comme vous le savez. Moi, cet après-midi, j'ai passé, je dirais, un bon 2 heures à faire la petite doudou de poupée à Mimi. Je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue. Fait que la voilà. Dans le fond, c'est 3 paires de pantalons, une à Mimi, une à moi, une à Christophe, qui faisait plus, qui était tachée, qui était trouée, tout ça. Fait que j'ai récupéré des bouts. Puis ça va être pas mal ça. Là, pour l'instant, j'ai comme le gros pain ici qui est cousu après celui-là et après celui-là. Puis lui après lui, puis lui après eux autres. Bon. Fait que c'est ça que j'ai pour l'instant de cousu. Il me reste ces 3 bouts-là de tissu à coudre. Puis ça va être ça. Ça va être une couverture... de poupée et de toutou pour Mimi. Fait que, tu sais, on voit là, le stitching, hein? C'est cousu à la main, c'est pas droit, c'est loin d'être parfait, mais écoutez, là, c'est pour jouer, là. C'est pour jouer. Ça t'offre le temps que ça t'offre. Maman. Mais Mimi, elle a bien hâte de l'avoir, n'est-ce pas, Mimi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, coquine? Maman. Moi, oui. Je voulais pas qu'elle soit comme ça, à cette grandeur. Tu voulais qu'elle soit plus petite? Ben là, elle est déjà pas grande. Ça va être parfait pour les enrouler, leur faire des petits cocons à tes poupées pis tes toutous. Non, je vais pas les enrouler. Ok, d'abord, tu feras bien ce que tu veux avec. Papa, y reviens-tu? Y reviens-tu? Fait qu'au Tigre Géant, il a acheté des bas pour Christophe. Finalement, il en a trouvé son blanc avec des bouts gris. Parfait.
Ensuite, finalement, Mimi, elle a sa bouteille! Youpi! Elle est rose en plus, elle est mignonne. Là, je vais la déballer puis la mettre tout de suite dans le lave-vaisselle, comme ça, elle va pouvoir commencer à l'utiliser. J'aurais aimé ça qu'il achète un plumeau, mais il n'en a pas trouvé. Fait que, pas de plumeau. Oh, j'ai allumé la mauvaise. Puis, il a acheté un tapis d'entrée! Je vous montre ça. Tadam! Bon, il fait pas toute la largeur, là. Mais on n'avait même pas mesuré, tu sais, il est allé au pif, puis ça fait bien, là. Il y a juste comme ici, il dépasse une petite affaire de la céramique, mais on s'en sacre. Puis c'est ça. Il est antidérapant en plus, il grouille pas. Ça va faire la job pour cet hiver. Fait que c'était ça, les achats. Puis toute l'épicerie, évidemment, qui a déjà été rangée. Fait que, c'est ça, fait que là, je m'enligne pour partir mon lave-vaisselle direct live là, puis il est rendu 6 heures juste pour vous situer dans le temps. Oui, parce que... Fait que, des fois, il y a des gens qui regardent la télé, des fois, il y a des gens qui regardent des streams, puis ici, ben, on a des streams privés. Steve est en train de jouer, puis il a mis son jeu dans la télé pour que Christophe puisse voir puis entendre comme il faut. C'est quoi ton jeu? Sea of Thieves. Ah ah! C'est-tu le fun? C'est... Mais oui! C'est un jeu de pirates. Là, bon, on va penser à faire à souper au moins pour les enfants, n'est-ce pas? Ouais. Ça ressemble à une boîte de Kraft Dinner. Ouais, il aimerait bien ça manger du Kraft Dinner. Avec on va voir. Du ballonnet. Avec du ballonnet dedans, Seigneur. Cuit. Cuit. Hey, grosse job! On va regarder ça. Bon, ben, il est rendu 8 heures dans 4 minutes. Christophe est en train de manger son souper. Il l'a eu finalement, son Kraft Bologne. C'est-tu bon, Christophe? Il m'entend même pas. Il a ses écouteurs sur la tête. Tu sais, cette semaine, je vous disais que. Je t'entends. Ah, tu me répondais juste pas. Ben oui, je t'ai fait ça. Ah, j'ai rien vu. Tu sais, cette semaine, je vous disais. Nous autres, on déroge pas, les soupers, on mange ensemble à la table pis tout, mais là, c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Moi pis Steve, on n'a pas mangé, Mimi a déjà fini de manger, Christophe est en train de manger. Garde. Hein? La fin de semaine, on a le droit de défaire les règles, ça marche, c'est correct. Maman, mon chien qui t'a prié. Pis là, ben, ça m'a pris pratiquement toute l'après-midi, pour être bien honnête, mais j'ai fini la fameuse doudou pour Mimi. Qu'elle puisse jouer avec ses toutous puis ses poupées. Puis là, ben, on l'a testé en ce moment. Il y a un petit pitou qui est en train de la tester. Je vous montre ça. Tadam! Bon, il n'y a rien de parfait. Comme je disais tantôt, on voit les coutures. On voit les fils. Les décos dessus. Ouais. Fait qu'en tout cas, puis c'est même pas droit, tu sais, ça fait même pas un rectangle droit ou quelque chose, mais ça fait une doudou pour les toutous puis les poupées, puis c'est ça l'important. Attends. T'es-tu contente, Mimi? Yeah. Ah, il est tout caché. T'es-tu contente? Hein? Bon, elle fait ça gêner, fait qu'elle le dira pas. Fait que c'est ça, je suis bien contente de l'avoir faite, de l'avoir fini. Maman, regarde. Mais pour vrai, j'étais assis dans mon lit, oui. Ah ben là. J'étais assis dans mon lit toute l'après-midi pour faire ça, puis honnêtement, j'ai mal dans le bas du dos, puis j'étais toute pliée pour coude, puis tout. En tout cas, ça va passer. Là, j'ai toujours pas épilé mes sourcils, je vais peut-être bien le faire ça. Je n'ai pas lavé mes cheveux non plus, mais j'ai pas pris ma douche, fait que je vais peut-être bien tout faire ça en même temps. Puis, c'est ça. Papa est encore en train de gamer à Sea of Thieves. Puis, voilà. Les enfants devraient se coucher vers 9h30 dans le top. On va voir s'ils sont gentils puis ils méritent de toffer un petit peu plus tard. Allô? Let's go! La routine du dodo! On s'en va se brosser les dents? On vous montre comment attends, que ça se couche bien, ces enfants-là. Je vais aller revenir à ta... Mimi qui va se brosser les dents. Ne jugez pas l'état de mon miroir et de mon comptoir de salle de bain. C'est dû pour être lavé. Le petit grand papa, il a mangé dessus. Ah, va demander à papa. Papa, il a mangé dessus.
J'apporte le petit ratatac. Ah oui, Christophe amène son hamster dans la cuisine pour la nuit parce que sinon il fait du bruit dans sa roue puis avec son eau puis ça dérange Christophe quand il dort. Regardez, il est ici là. Oui, mais on le sort pas s'il te plaît, on s'en va se brosser les dents. Il est dans son petit tuyau. Regarde, il y a sa petite... Il y a son... Regarde, il est là. Petit boubou. Coucou. On le voit pas bien, bien. Ah, il sort un petit peu. Il rentre ses bouts de jeans. Je sais pas si... Mimi, elle se brosse les dents. Christophe, vas-y, toi aussi. Ouais. Let's go. Puis après tout ça, on va aller dire bonne nuit à Ratatac et à Tatoche. Mm-hmm. Quelle heure qui, papa, donc? Quoi? Regarde. 9h15. On brosse bien. Voilà. OK, qu'est-ce que tu dois faire ensuite, Christophe? Ta bouteille d'eau, la remplir? Ouais. Où est-ce qu'elle est? Toi, papa, comment ça se passe? Oh, ça la se routine passe. Du dodo, ça va? Oh, ouais, tranquille. Tranquille, hein? Là, c'est là. Donc là, tu peux dire bonne nuit à Totoche puis à ton hamster, mais l'hamster, on le sort pas. Il est dans son tuyau. Oui, mais je vois... Non, on le sort pas. Dis bonne nuit. Tu peux dire bonne nuit à Totoche aussi. Attends, je veux dire bonne nuit, mais je sors pas. Là, je vais montrer aux amis dans son tuyau. Je veux voir dans son tuyau. Montre le plus haut. Plus haut. On regardez voit pas les très bouts vite. De jeans que j'y avais mis. Ben là, il s'est rendu tout dans son tuyau comme ça. Puis regardez. Il aime ça. Bonne nuit, c'est Tatoche. Cozy. Bonne nuit, Tatoche. Elle fait attention, Jack. Elle fait ça. Bon, Mimi, c'est un minou aussi. OK, là, du coup, on s'en va se coucher. On dit bonne nuit à papa, à Steve. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Steve. Carré. Yeah. Papa, viens me coucher, s'il te plaît. Ouais. Bon, alors, Christophe enlève ses lunettes. Il est maintenant dans son lit. Je te fais ton câlin. Bonne nuit, mon coco. Bonne nuit, les amis! Bonne nuit! Je t'aime à demain! Je vais éteindre ta lumière! Ouais! Fais des beaux rêves! Merci! Mimi est couchée! Ah! Je vais éteindre ta lumière! Ok! Ok! Le piton est là! Ah! Il fait noir maintenant! Bonne nuit, ma choupinette! Bonne nuit, ma pinotte! À demain, je t'aime! Bonne c'est fait, les enfants sont couchés. 9h30, ben pile. Papa et maman maintenant sont libres. Puis on va souper, hein, je pense bien. Ben. On n'a pas soupé encore, nous autres. Puis là, j'ai faim. I'm hungry. Toi? Un peu. Un à peu? 9h30? Ben, j'ai grignoté un petit peu en même temps que les enfants ont soupé. Oh, pas moi. Pas moi. Fait qu'on va se faire à manger, puis après ça, il faut que j'aille dans la douche. Hey, j'ai épilé mes sourcils. Ça paraît peut-être pas gros, là. Mais ils sont faits. Ça fait du bien. C'est doux. Fait que c'est ça. Je sais pas si je conclue maintenant ou je vlog encore. Je pense que je vais conclure, parce que sinon, le vlog va être fucking long. Hein? Fait que c'est ça. T'as-tu un mot de la fin? Fin. Pas payé pas tout, c'est concept. Fait que merci d'avoir regardé. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un petit pouce en l'air comme d'habitude. Puis un commentaire, on répond à tout le monde. Puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis ben on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!